Hey, salut tout le monde, c'est Xuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon Ultra Lune. Aujourd'hui, on va continuer notre aventure. La dernière fois, on avait affronté le doyen et on l'avait battu, du coup, on a terminé tout ce qu'il fallait faire sur cette île. Mais avant, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'aille, d'ailleurs, il faut, je sais pas, aller à un endroit bizarre. Mais, surtout, j'ai quelque chose à récupérer. Alola, vous devez être Alex, j'ai reçu un cadeau pour vous, le voici. Ce cadeau contient un Pokémon. Voulez-vous le récupérer? Oui. Oh, on dirait que vous n'avez plus de place dans votre équipe. Revenez me voir plus tard. Mais t'es sérieux, toi? Donc, j'ai récupéré le Rocabo spécial qui peut évoluer en Loup-Garok crépusculaire. Donc, il faut qu'il évolue entre 17h et 17h59. Donc, ça va être très chaud. Donc, j'ai eu un Rocabo totalement random en échange miracle, mais bon, on s'en fout, hop, on le met là. J'ai eu un autre Otaquin, ok, j'ai eu un Evoli, et par contre j'ai eu un Arco, pas mal, no joke, no, pas mal, surtout que mon type plante apparemment que je voulais mettre dans mon équipe, il est pas si ouf que ça, peut-être que, vu que j'ai pas encore vos réponses par rapport au fait que si vous voulez je mette... Si vous voulez bien que je mette des Pokémon d'autres générations, d'autres Pokédex dans mon équipe pour l'aventure principale. Bah voilà, peut-être que Arco, je le mettrai dans mon équipe, puisque bon, il s'appelle Trico, donc c'est le nom en anglais. Donc il pourra avoir un vrai nom français plus tard. Bon, Zoroa, on s'en fout. On peut virer qui? On peut virer Téléfix. Déjà, on peut virer Téléfix, il ne sert à rien. Et voilà, et je vais juste remettre Oratoria en première position. Et allons récupérer ce petit cadeau que nous avons. Ce petit Rocabo. Par contre, il va falloir du coup que soit je le fasse évoluer en... Vous avez reçu un Rocabo. Soit je le fais évoluer en off... Soit il faut que je tourne un jour où je peux tourner entre 17 et 18 heures pour pouvoir le faire évoluer. Voulez-vous donner un surnom à Rocabo? Absolument pas. Rocabo, rejoins votre équipe. Super. Je vais quand même mettre le Arco dans mon équipe. J'espère vous revoir bientôt. Je vais quand même mettre Arco dans mon équipe pour l'entraîner. Puisque bon, là j'ai des Pokémon absolument useless. Zoroa, je le garderai pas. Donc mettons Arco. Et du coup, il est niveau combien? Niveau 10. Ah, et c'est une femelle. Ah bah dommage. Dommage, il va falloir que je la dégage. Je regarde. Hey, d'ailleurs, elle a croix éclair, je crois. Ma Rocabot. Mignon. Est-ce que, d'ailleurs, faudrait pas que je soigne mes Pokémon? Bon, ça n'en a pas l'air. Ça n'en a pas l'air. Bon, allons-y. Je ne sais plus où il faut aller. Mais maintenant, on a un taureau, donc du coup, on va super vite. Hyper vitesse, voilà. Ouais. Je pense qu'au prochain épisode, je pourrai avoir vos réponses sur est-ce qu'il faut que je prenne mon... Enfin, est-ce que je peux prendre, par exemple, Arco pour mon équipe? Du coup, comme je pense pouvoir avoir Pikachu pour cet épisode ou l'épisode prochain, comme ça, je pourrais déjà avoir une équipe de 4 Pokémon, hein, si je prends Arco et tout. Allons-y, allons par là-bas. Faut aller... Ici. C'est quoi cet endroit? C'est nouveau ça? J'ai bien l'impression. Alola à vous, dresseur! Oh oh, mais je vois que vous avez un super bracelet Z, excellent! D'ailleurs, il faut aller faire du surf des mantas. Faut aller faire ça après. Ici au studio photo d'Alola, vous pouvez vous immortaliser avec votre Pokémon préféré en prenant la pose. Voulez-vous essayer? C'était une question, je crois. Hein. On m'a pas demandé mon avis. Waouh. Préparez votre séance photo. Pour changer une option, touchez-la et sélectionnez ce que vous préférez. Touchez commencer la séance photo quand vous serez prêt.
Pokémon Otarlette. Restons sur Otarlette. Composition tournée vers l'objectif. Ça fait quoi? Ah d'accord. Waouh. Mais c'est super comme nouveauté dans ce jeu. Comment c'est la séance photo? Pour prendre une photo parfaite, demandez à votre Pokémon de prendre la pose. Ah mince, j'ai pas. Ah voilà. Touchez l'interrupteur pour demander à votre Pokémon d'adopter soit une pose mignonne, soit une pose combative. Touchez le bouton d'appel pour demander à votre Pokémon de prendre la pose. Si vous touchez plusieurs fois, vous verrez, machin. Touchez le bouton d'action pour choisir votre pose. Mais quel est ce truc absolument useless? Vous pouvez changer de menu en touchant l'onglet à gauche. Ouais, bon, on va. Je pense qu'on va capter. Ouais, bon, Otarlette, que ce soit au combat ou en mode kawaii, elle va. Elle s'en fout, quoi. Normal. Ah! Ok, très bien. On va rester comme ça. Non, non, j'ai pas validé. Je voulais mettre combat. Confirmé. Vous avez changé le type de la pose. Ouais. Allez, prends la pose. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est moi. Hop. Je suis sûr que ça va être un vieux. C'est super. Plusieurs photos ont été prises. Si photos ont été prises à chaque fois, vous pouvez machin. Oui, c'est une bonne rafale. Cet homme frappe son Pokémon. Arrêtez-le. Bon, on va rester sur ça. Ça a l'air d'être la plus cool. Les photos que vous n'avez pas sélectionnées seront supprimées. Continuez, ouais. Lecture de la carte SD. Oh là, sérieusement, ils vont la mettre sur la carte SD. Les données ont été sauvegardées sur la carte SD. Otarlette a l'air super content. Terminé, hein, puisque moi, les photos, moi, je m'en fous. Hein. Oh, comme vous êtes photogénique. Tenez, pour ranger vos beaux clichés. Wow, je peux les ranger dans mon album. Obtenez. Ouvrez le bouton. Ah, ouvrez le menu avec le bouton X et sélectionnez mon album. Vous pouvez personnaliser vos photos comme vous le souhaitez. Décorez-les selon vos goûts et obtenez de véritables œuvres d'art. Vous pouvez partager les photos de votre album. Tous ceux qui se rendent sur votre place festival pourront les admirer. Waouh! Voulez-vous décorer? Absolument pas, arrêtez! Laissez. Hey Alex! Oh non! Mais non! D'abord, on fait une séance photo et en plus, il y a ses billes. Oh, son Pokémon a évolué. Oh, il va nous affronter. Alors, vous avez joué les stars avec Otarlette au studio photo d'Alola? Ça a l'air trop classe. C'est pas tout ça, mais il va être temps de mettre le cap sur notre prochaine aventure. Akala, nous voilà. Carrément, je vais pas lui poser des questions, il faut y aller, hein. J'adore prendre des photos et en plus, là, on peut les personnaliser et tout, c'est trop bien. Matoufeu est trop beau en plus, il est super photogénique. Mais si je commence, j'en ai pour trois plombes. T'en fais pas, je ferai ça une autre fois. Mais sauf que je n'ai pas posé la question, donc allons-y. Ah! Je me demande bien quel genre d'épreuve nous attend, pas toi? Yo, les gens! Mon bateau de compétition est prêt à vous accueillir. Vous allez être bluffés. Ah, professeur, merci. Merci, hein, c'est gentil. Mais je crois que je vais aller à Kala, à d'autres démentas plutôt. Je vais. Et j'ai bien envie que tu essayes aussi, Alex. Oh, et le bateau, hein! Je suis sûr qu'il est super cool et tout, mais j'ai trop envie d'essayer le surf des mantas. Tilly, t'es vraiment un ouf! T'as tout compris à la vie, mon pote! Oh, c'est un ouf! Après tout, c'est votre tour des îles. Faut profiter un max des Pokémon. Youhou, cap sur Akala, à d'autres démentas. Je t'attends à la plage Big Wave sur la route 2. Bon, bah, c'est bien, je voulais le faire quand même, de toute façon, ça. Ça, c'est un petit peu nouveau et ça a l'air un petit peu sympatoche. Alex, j'aurais une faveur à te demander. Tout ce que tu veux! Tout ce que tu veux! Lily, tout ce que tu veux! C'est à propos de mon petit doudou. J'aimerais le ramener d'où il vient. Comme tu le sais, j'aurais pu avoir de très gros ennuis s'il n'avait pas été là. C'est pourquoi je voudrais au moins lui rendre ce service. Hélas, n'étant pas dresseuse, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire grand-chose. Avec toi à mes côtés, en revanche, je sais que c'est égoïste de ma part de te demander ça, mais. Tu peux compter sur moi. Faut se mettre Lily dans la poche. Merci infiniment. Me voilà rassurée. Tu ne sais pas à quel point tu m'ôtes une épine du pied.
Dans ce cas, rendez-vous à Akala, l'île suivante. Doudou et moi t'y attendrons. Piou! Piou, 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 quoi. Du coup, hop, le Tauros, et allons faire un tour de démenta avec l'autre débile. L'autre débile. Oh. Mais sérieusement, Tilly. Pourquoi il faut que je me coltine Tilly encore une fois? Hop, allez, maintenant on a accès à certains objets. Morceau d'étoile. Ben, c'est bien. Un morceau d'étoile, ça c'est cool ça. Bon, ça rapporte un petit peu d'argent. Oh non. Oh, c'est bien une amulette du tour des îles que je vois là. Tu as même une normazélite et une combazélite. J'en déduis que tu as réussi l'épreuve d'Alteo et la grande épreuve de Pectorius. Bravo à toi. Chen, ah, enchanté mon enfant, laisse-moi me présenter. Je me nomme Raphaël Chen. Je suis un spécialiste des Pokémon. Ici, j'étudie les Pokémon dominants. Et donc, il a sacrément bronzé le professeur Chen hein, depuis Kanto. Hein. Ah, les Pokémon dominants. Tant de mystères les entourent. T'es-tu déjà demandé pourquoi ils sont si grands? Ou d'où provient cette aura qui émane d'eux? Jamais. Vraiment? J'ai une proposition qui devrait tout de même piquer ta curiosité. Ramasse tous les emblèmes des dominants que tu trouveras sur ton chemin. Si tu fais ça pour moi, je te donnerai un Pokémon aussi imposant qu'un dominant. Tu trouveras ces emblèmes un peu partout au cours de ton périple. Garde l'œil ouvert pour ne pas les manquer. Montre-moi 20 emblèmes des dominants et je te remettrai un Ratatak. Je compte sur toi, mon enfant. Prouve-moi que tu mérites le Motisma Dex que le professeur Ford t'a remis. Ti! Et comment tu sais tout ça, toi? Si tu me cherches, je serai à la plage d'Ohale à Akala. Pour y aller, c'est tout simple. Un petit coup de surf des mantas et tu y es. Ah, du coup, ça a une utilité, les emblèmes. C'est cool. Bonjour, madame, en maillot de bain, en bikini. Hey, je suis débile. mais vous êtes amis? Et comment on... Non, on n'est pas amis. On fait notre tour des îles ensemble. Et là, on veut aller à Akala. Ça veut dire que vous avez vaincu notre bon doyen, bravo. Je suis sûr que Demanta sera très content de porter d'aussi bons dresseurs sur son dos. Ouais, mais bon, Tilly, il a cheat pour pouvoir... Carrément, donc comment on fait? Il suffit de dire bonjour à Demanta. Bonjour, Demanta. Ezu, Akala, nous voilà, d'autres Demanta, la 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 la. Super, Motismadex. Bonjour, Demanta. C'est moi, ça? Attention. Par contre, cette OST est vraiment cool. Oh, il est si heureux. Waouh. Ça, c'est la miniature, ça. Ça, c'est vraiment la miniature. Non, mais c'est sympa, le surf des mantas. Après, si c'est juste... Oh! Oh merde! Les vagues. Alors, le but du surf des mantas est d'enchaîner le plus de figures possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Multiplier les acrobaties pour accumuler des points. Voici 4 leçons pour éveiller la légende de la glisse qui sommeille en vous. Alors, leçon numéro 1. Accélérer. Démenta avance automatiquement. Faites glisser le pad circulaire vers la gauche lorsque vous trouvez au sommet de la vague pour prendre de la vitesse. Ok. Une fois au pied de la vague, faites à nouveau glisser le pad circulaire. Hein, répétez l'opération plusieurs fois pour accélérer. Vers la droite pour... Ah, tout simplement, en fait, il faut juste faire ça. Hop. Et regardez cet homme. Oh, d'accord. Ah oui, il faut faire ça. Hop. Attention. Bravo, vous avez terminé la leçon numéro 1. Le courant d'air qui entoure des mantas prend une couleur orangée lorsque vous atteignez une vitesse particulièrement élevée. Ok. Leçon numéro 2, sauter. Continuez à faire glisser le pad circulaire vers la droite quand vous atteignez la crête de la vague pour sauter. Plus votre vitesse est élevée, plus votre saut sera haut. Passons à la pratique. Accélérer, puis sauter. Ok, c'était très très nul. Bravo. C'était très très nul. C'était pas un saut, mais on a terminé la leçon numéro 2.
Alors, ah non, on revient ici. Le saut numéro 3, faire des figures aériennes. Pendant un saut, faites glisser le pas de circulaire dans la direction dans laquelle vous voulez faire tourner des mantas. Certains enchaînements de figures permettent d'obtenir un meilleur score. Regardez l'intérieur, machin. Ok. Allez, hop. Hop. Whoop. Allez, accélération. Accélération. Hop. C'est très très nul ce que je fais. Hop, mais j'arrive pas à avoir une accélération. J'arrive pas à avoir une accélération, je comprends pas là. Je suis tombé à l'eau. Nice. Hop. Ouais. Hop. Voilà. Voilà. Mais je garde pas la vitesse. Ah non, non, toujours pas. Hop. Non, toujours pas. Attendez, je retrouve plus la vitesse. C'était nul. Le saut numéro 3, faites des figures aériennes. Mais j'ai fait quelques figures, mais j'arrive pas à voir la vitesse qu'il faut. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, ok. Bravo, vous avez terminé la leçon numéro 3. Un cercle lumineux apparaît autour de l'élémenta quand il termine une figure. Déclenchez la prochaine figure. Ok. Leçon numéro 4. Réception sur l'eau. L'élémenta retombe lentement sur la vague après avoir sauté. Si l'élémenta effectue une figure quand il entre en contact avec l'eau, il rate sa réception et boit la tasse. Passons à la pratique, ok. Hop. Et voilà, bravo, vous avez terminé la leçon numéro 4. Ça aussi, c'était nul. Bravo, vous avez terminé toutes les leçons. M'en fous. C'est sûr, il fallait que je regarde quand même la fin du tuto, mais bref. Alors. Alors, attendez, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Non. Attendez. Peut-être que je le fais mal. Ah, ouais, je crois que je l'ai mal fait. Ah, 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 ah. Je suis tombé dans l'eau. Et je crois qu'on peut avoir des Pokémon sauvages, là, que je vois des... Oh, elle est particulièrement grande, cette vague. Et j'ai failli me prendre un rocher. Hop, hop, hop. Oh là là, perfect landing. Perfect landing. Hop. J'en fais que deux. J'en fais que deux, sinon je vais prendre très cher. Hop. Je pense qu'il faut... Voilà. Nice. Et en même temps, s'ils nous mettent des trucs comme ça... Allez, masse vitesse, masse vitesse. Hop. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop, hop, hop. Regardez, regardez, regardez. Oh merde, oh merde. Bon, je suis tombé dans l'eau. Oh merde. Bon bah, en tout cas, voilà, c'était super sympa. J'ai cru faire un truc de ouf. Mais ce n'était pas le cas. Hop. Regardez. Hop. Hop, 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 hop. Oh là 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 là. Mon dieu. Bonus de réception. Et... Ah, attention, on va continuer, on va continuer. Hop. Voilà. Tonneau à gauche. Et regardez cette vitesse. Regardez. Allez, on fait une dernière, on fait une dernière, on fait une dernière. Tonneau à droite, tonneau à droite. Oh là là, mon démenta insane. Waouh. Bon, du coup, j'ai combien? Ça se trouve, j'étais pas mal. Hein. No joke. Une vague normale. Ok, bon, j'ai masse... oui, oui, oui. Super, allez, continuons comme ça, continuons comme ça. 5000, 5000, 7000, 8000, 9000. Waouh, 10 000.
Par contre, l'écran rallume-toi. 11 568 de la part du joueur français. En tout cas, je sais pas combien ça va me rapporter. Est-ce que c'était quelque chose d'absolument ouf? Ok, donc du coup, on est à Akala. C'est ça? Akala. Voilà. Bien. En vrai, c'était drôle. Ah voilà, je préfère ça que les photos. Les photos, useless as fuck. Mais là, là c'était rigolo. Plage de Ho'ale. Ho'ale. Et voilà, traverser à pied sec. Enfin non, j'ai sauté à pied joint dans l'eau. Bref, Akala, nous voilà. C'était trop bien le surf des mantas. Tu crois que le prof et Lily sont déjà là? J'espère que le bateau n'a pas coulé. Allons faire un tour pour voir si on les trouve. Oh, nice. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, il va me donner des points. J'ai vu comment tu te jouais de la gravité. Chapeau l'artiste. Ton score est de 11 568 points. Et ouais, tu es numéro 2 au spot de la plage Big Wave. Ah ouais. Et Manta et toi, vous allez être les stars de la plage. Et voilà tes points de coolitude. 4 points, c'est tout. Bon, enfin bon, quand je voyais comment on pouvait les échanger, je me doutais bien que j'allais pas obtenir beaucoup. Et n'oublie jamais, laisse-toi porter par la vague, c'est elle qui te donne la vibe. La vibe. Man, Motis magnifique, tu es arrivé à Akala. Qui dit nouvelle île, dit nouveau Pokédex deal. J'espère que tu trouveras tout plein de Pokémon, comme c'est Motis excitant. Il faut trouver Lily et le professeur. Attendez, est-ce que je peux le caresser, lui? Oh, j'adore. Après, il aime bien... Et il me donne des bonus. Ah, regardez, ses yeux brillent. Ça y est, c'est l'heure de la Motis Magogo. Attention. Et boum! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire quoi? Bravo à toi le pouvoir de Motis Mora. Motimago. De Motimago, ok. Les Motimago augmentent la somme d'argent que tu remportes en battant les dresseurs. Ah, c'est bien ça. Nice. Je regarde un petit peu partout, je sais pas s'il y a des dresseurs, des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, non, d'accord. C'était un démenteur. Oh! Une Pokéball! Soda cool. Ouais, un soda trop cool. Dès que vous buvez ça, vous êtes cool. Et oui. Oh, regarde, des cocombafs qui dorment. Ils sont trop mignons. On peut pas passer, du coup, j'ai pas le cœur de les déranger. Mais moi je les kick, allez bougez de là vous. Oh là 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 là. Oh, les moyens qu'ils trouvent pour bloquer. Ah, il y a un truc brillant là-bas. On le voit. Les moyens qu'ils trouvent pour rendre le jeu hyper linéaire pour nous bloquer. Il y a toujours des Pokémon qui dorment et il y a des gens qui jouent sur la... qui bloquent toute la route. Oh, regarde. On ne voit personne, mais courons. Ah, mais ici, si, ils sont là. Alors les jeunes, c'était cool cette traversée à d'autres démentas? Super cool, on va dire. Allez, nickel, continue sur ta lancée. Le comble, c'est qu'on est allé plus vite avec un démenta qui a fait des pirouettes. Tout le long que vous avec votre bateau. Ah, il faut avouer que le bateau du professeur n'est pas... Disons qu'il n'est pas de première jeunesse. Il n'est pas homologué. Ah là là, Euphorbe et sa légendaire blouse blanche déboutonnée. Pour montrer ses muscles. Ah, les gens qui te rencontrent pour la première fois doivent se poser des questions. Vite, rentre dans ton sac, doudou. Relax, Lily, c'est une amie à moi. Avec la waifu du jeu. Bienvenue à vous, les enfants. Je m'appelle Alixia et je ne parle pas d'Alixia, mais je parle bien de Barbara. Yep, moi, c'est Barbara. Je suis une des capitaines du coin. Je sais, ça en jette. J'étais en route pour vous accueillir et j'ai croisé Barbara par hasard. Hé, maintenant, j'ai tous les ingrédients qu'il faut pour une épreuve réussie. Du coup, on n'a pas fait de combat Pokémon dans ce... Oui, c'est de vous deux que je parle. Vous avez des têtes à aimer les Pokémon. Ouais. Ça promet. Enfin, n'oubliez pas que Barbara n'est pas la seule capitaine de cette île. Qu'est-ce que vous comptez faire à présent? Me regarde pas comme ça, c'est à eux qu'il faut le demander, c'est leur tour des îles. Ah ah, Euphorbe qui fuit ses responsabilités. En tout cas, les enfants, amusez-vous bien à Akala avec vos Pokémon.
Et sachez que j'attends notre combat de pied ferme. Et je suis impatiente comme une vieille... Une veille des... Je suis impatiente comme une vieille. Comme une veille à des soldes. Allez, Barbara, on se dépêche. Allez, allez, hop. Pas le temps à perdre. Ah, cette waifu. Hey. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils peuvent avoir l'air débile par contre à saluer comme ça. Est-ce que, in real life, on est là... Hey. Alors que t'es à 2 mètres de moi. Hey. Au revoir. Ah, elle s'inquiétait de votre traversée, mais ça lui écorcherait la langue de l'avouer. C'est vraiment une fille cool, la frangine d'Alexia. En plus, c'est une doyenne au top. La frangine, eh. Akala compte non pas une, non pas deux, mais trois épreuves. Si vous voulez tenter la première hélico, c'est de l'autre côté de la route 4 que ça se passe. Commencez par atteindre le village d'Ohana, et ensuite c'est tranquille. Tant qu'on trouve le centre Pokémon, c'est bon. Sans oublier le Malassa d'hélice local. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être un brin de shopping. Ensuite, j'accompagnerai peut-être Doudou jusqu'aux ruines. Mais en fait, elle trouve où son argent, elle, pour aller faire le shopping sur toutes les îles? Je ne sais pas, moi. Je peux poser des questions comme ça. C'est vrai que je n'ai toujours pas changé de fringue à mon personnage. On va peut-être le faire, là. Oh Alex, tu tombes bien, j'aurais besoin de toi. Piou, j'ai plus assez de thunes pour acheter des fringues. Pour choisir des vêtements? Une autre fois, peut-être. En fait, vu que Doudou a l'air de s'intéresser aux ruines de l'éveil, je voudrais l'y emmener. Qui sait, on tombera peut-être sur le Pokémon gardien d'Akala. Je crois qu'il s'appelle Tocopion. Piou? Ouais, ouais. Tu veux bien nous accompagner? Je demanderai bien à quelqu'un d'autre, mais je crois que Doudou t'apprécie vraiment. Mais est-ce que vous pensez que j'ai du temps à perdre avec ça? On t'attendra à l'hôtel des Embruns. J'ai rendez-vous là-bas avec une personne qui m'est chère. Ne t'inquiète pas pour moi, je vois l'hôtel d'ici. Je vois l'hôtel d'ici, oui, oui. Aucun risque de que je me perde, enfin, je crois. Piou. Toi, Doudou, dans ton sac. Et dans le sac. J'avoue quand même comment elle a fait pour dire... Je vois l'hôtel d'ici. Oui, ouais, ouais, je suis content, je suis content. Je fais n'importe quoi. Je fais rien. Je fais rien, je suis content. Je m'appelle Doudou. Bon. Nous devons faire attention. J'ai entendu dire qu'un groupe de voleurs de Pokémon appelé Team Skull rôde dans les parages. Je ne voudrais pas tomber sur des malfrats pareils. Surtout que tu n'es pas là pour nous protéger. Ouais, en effet. Tiens, on va changer de fringue. On va changer de fringue pour cette fin d'épisode. Comment on fait déjà? Comment on fait? Hé, hé! Bon, peut-être qu'il faut aller ici. C'est la cabine d'essayage, que voulez-vous faire? Changer de tenue. Bon, les lentilles, on va garder nos yeux. Hein. Nos yeux comme ils sont. Ah, je peux pas changer. T-shirt tropique. C'est absolument moche. Ne mets pas ça. Voulez-vous le porter? Non. Je l'ai pas acheté. Je l'ai acheté? Quel débile que je suis. Ah non, peut-être pas. Se regarder. Bon... Wow, chaussettes loisir. Mais en vrai, je peux pas... Bob loisir. Ok, en vrai, je peux pas me changer. Ils ont aucune fringue. Ah. Ou, attendez, attendez. Ou alors je comprends mal. Ou alors je comprends mal. Non, en fait, est-ce qu'il faudrait pas acheter là-bas? Bienvenue, acheter. Ah oui, voilà, ok, 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 ok. Ah bah oui, voilà, là on est mieux. Ok, alors par contre, 2500, ce truc absolument moche. Ok. Débardeur célébrité. Ah oui, c'est comme ça. C'est professeur Chen, ok. Ça, j'aime bien, mais bon, je le mettais déjà avant. Ça, c'est classe. C'est quoi? Je sais pas, mais c'est un débardeur classe. Polo. Polo à motif étoilé. Bon, les polos, c'est pas... moi, je vais pas prendre ça. On va prendre le... Ah oui, c'est Samurai. J'ai même pas fait gaffe à ça. Alors, on va prendre ça.
ça coûte la blinde. Ça coûte la blinde. Allez, je vais quand même acheter. Bermuda cargo. Ouh, c'est très moche. Ça, c'est aussi moche. Bon. Ça, c'est moche. Ça, c'est moyen. Moche. On va prendre... Oh, ça coûte 4500 quand même. Ouais, mais j'ai un Bermuda, un vieux Bermuda tellement moche. Non, je vais le prendre en noir. Je vais le prendre en noir. Conseil de vestimentaire hein, dans ce let's play, c'est super. Voilà. Ensuite, des tennis. Non, non. Oh, 14 000. Par contre, les mocassins. On va oublier ça. Mais ça coûte tellement cher tout ça pour l'instant. Pour mon avancée. Allez, on va se barrer. On va se barrer. On va se changer. Et on essaiera d'acheter des fringues plus tard. Hein. Clairement. Clairement, c'est pas trop ça, quoi. Moi, j'ai pas trop. C'est pas ouf, hein. Se changer, voilà. J'ai pas trop la thune pour tout ça, les gars. Donc, vraiment, je vais passer mon chemin. Ouah, regardez comme il est beau. Et du coup, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve la prochaine fois pour. Voilà, pour aider. Pour je sais pas. Je sais plus ce qu'on fait. Ouais, bah, on va faire les épreuves. On va aller voir Lily qui est à l'hôtel. Et voilà. Allez, sur ce, je vous dis bye bye tout le monde à la prochaine. Bye.